Salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va pas tarder à vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, vous allez comprendre. Là, on est devant le McDonald's. On est devant un McDo, il est encore ouvert. Bon là, ça va pas tarder à fermer les amis. T'es sûr voilà. De toi, Esteban? Ah oui, non mais là il faut le faire, il faut le faire. On est avec Valentin aussi. Il y a Lily Rose qui nous attend à la maison parce qu'elle a pas voulu venir. Elle a dit c'est mort, moi je fais pas votre expérience. J'ai déjà eu trop de problèmes parce que vous savez que chez nous dans notre maison, il y a énormément de problèmes. Quasiment toutes les nuits, on entend des bruits, on voit plein de fantômes tout le temps. Là on va pas trop le faire, Esteban. Mais si, on va le faire là. Il y a un abonné qui nous a proposé de faire ça. Mais si, c'est ouais, mais tous les abonnés ils proposent des choses. Non, mais c'est un abonné qui nous a demandé de faire ça en vidéo. On est obligé de le faire. Bon, Valentin, toi tu vas le faire avec moi. J'ai pas vraiment envie, mais bon. Mais si, allez. Bon, c'est bon pour donc voilà, voilà. On va vous expliquer pourquoi. On va vous expliquer pourquoi on s'est déplacé devant le McDo. En gros, il y a un abonné, donc l'un d'entre vous. Voilà, c'est un abonné très fidèle qui regarde plein de nos vidéos. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit Esteban, j'ai une légende pour toi. Je sais que vous aimez bien les trucs un peu horreur, les trucs qui font peur. Il m'a dit, j'ai vu un truc sur internet, c'est incroyable, il faut que vous essayiez en vidéo. Il m'a dit, va chercher un McDo le soir. Donc il m'a dit, prends ce que tu veux, c'est important qu'il y ait un hamburger dans la commande. Donc on va commander un burger, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, prends ce que tu veux comme commande, mais il faut prendre au minimum 4 choses. Et ensuite il m'a envoyé une liste de trucs à faire. C'est incroyable. Toi c'est vrai que je te l'ai pas montré. Non, vas-y. Mais en gros il a dit, mettez-vous à l'extérieur à 3h du matin pile. C'est pour ça on peut pas aller chercher le McDo à 3h du matin parce que ça sera fermé. Donc on va aller chercher maintenant à la place. En attendant on va le mettre de côté. À 3h du matin, mettez-vous dans un extérieur, dans votre jardin ou sur un parking. On va le faire chez nous dans notre jardin. Mettez de chaque côté de votre jardin un élément McDonald's, un burger, des frites, un Happy Meal, un truc comme ça. Et réciter cette phrase. Bon là je vais pas vous dire la phrase tout de suite parce qu'on la dira tout à l'heure. Et apparemment si on fait ça à 3h du matin pile, il y a la malédiction du McDo qui est censée arriver. Donc il faudra se lever, attendre 3h ouais, ouais, du matin. Ouais non mais oui, on attend 3h du matin, là on dort pas. Donc là les amis on va aller chercher ça bah, sans plus tarder. Je pense qu'on va aller, il faut au minimum 4 trucs. Du coup on va aller chercher 4 Happy Meal. Bah, donc vous voyez on est bien devant là. Donc on va aller chercher 4 Happy Meal. Et on va attendre, bah viens. Mais non mais t'as peur. T'as peur? Referme ça. Non mais t'as peur de quoi? Va chercher le McDo, moi j'ai trop peur. Non mais c'est pas tout de suite l'expérience. Oh, non mais il pense, non mais pour l'instant il y aura rien de spécial. Hein. C'est à 3h du matin. Ah ok. On va faire ça avec Lily Rose et tout. Donc bon, on va aller chercher ça les amis en espérant que ça se passe bien et ensuite on va suivre toute l'expérience. Et apparemment une fois qu'on a récité la formule magique, là la phrase qu'il faut pas dire, il est censé se passer un truc qui fait super peur en rapport avec McDo. C'est pas trop, c'est dans le commentaire de l'abonné, c'est pas trop expliqué, c'est pas trop dit, mais j'ai hâte de voir ça. Bon allez, on y va. On y va ensemble parce que c'est vrai que moi j'ai un peu peur aussi. Bah non, mais bon, autant qu'on reste ensemble jusqu'au bout. Bon les amis, on va chercher ça tout de suite. Oh mais je rêve, ils ont trop peur. Et alors pour l'instant l'expérience a même pas commencé. Ils ont trop peur de rentrer dans le McDo parce qu'ils pensent que je vais réciter la formule magique tout de suite. Du coup regardez, on va au drive. Non mais je rêve, on va aller au drive. Bon bah et par contre c'est toi qui commande parce que c'est toi qui es du côté de la borne. Ouais d'accord. Bon, du coup on va prendre 4 Happy Meal. 4 hamburgers. 4, non 4 Happy Meal. D'accord. Voilà, 4 menus Happy Meal avec 4 burgers et voilà, on va prendre un truc basique les amis, de toute façon c'est pas pour le manger, c'est pour faire l'expérience. Bon, voilà, on est au drive. Avec le Peppa Pink et le Valentin. C'est ce que je vais faire. Le Valentin qui veut même pas parler. C'est ce que je vais faire. Je vais demander aux vendeurs s'ils connaissent la malédiction du McDo. À 3h du matin. Ouais. Parce qu'eux, ils doivent connaître. Non, mais ils connaissent pas, je pense. Ah, ils travaillent chez non, McDo. Mais l'abonné, il a trouvé ça sur un site secret. C'est pas sur un site que tout le monde connaît. Non, mais normalement, en tant qu'employé de McDo, tu dois. Non, mais je pense pas qu'ils connaissent. Bon, les amis, on va pas embêter les gens qui travaillent ici, les pauvres, avec la malédiction de McDo. Nous, on va faire ça chez nous, tranquille, à 3h du matin. On va embêter personne. C'est bon. On a les commandes. Voilà, on a les 4. Oula, et oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la malédiction. Ouais, ouais. La malédiction commence, la voiture part en vrille. Bon, on a les 4 Happy Meal, les amis. Là, il est pas tard, il est que 21h. Donc ça va, on a encore largement le temps avant la malédiction. On va se reposer et je vais essayer de téléphoner à l'abonné surtout pour avoir plus de détails, pour savoir si lui il a fait chez lui ou pas.
parce qu'il me l'a pas trop dit en fait. À mon avis, il l'a pas fait chez lui. Il veut qu'on le fasse chez nous pour voir ce qui se passe, mais lui, il a peur de le faire. Ah ouais. Valentin, on l'entend plus. Il a peur. Lily Rose, je lui ai envoyé un message en disant c'est bon, on allait à Happy Meal, tout ça. Elle me répond pas. Peppa Pig, enfin bref, personne n'est chaud. Mais moi, c'est hors de question que je le fasse tout seul. Bon allez, on rentre à la maison. Le plus dur, ça va être de pas toucher à ce qu'il y a à manger là, parce que l'idée, c'est de pas les manger avant la vidéo, du coup. On se retrouve tout de suite à la maison, les amis. Enfin, tout de suite. On se retrouve dans plusieurs heures, à 3h du matin. C'est parti. De retour à la maison, les amis. Lily Rose, regarde ce que j'ai ramené. On va pouvoir faire l'expérience. Lily Rose. Lily. Bon, écoutez, je vais poser ça là. J'espère que personne ne va y toucher parce qu'il faut vraiment rien manger. On a besoin de tous les éléments pour faire la vidéo. Lily Rose. Je rigole pas, là. On est allé au McDo. On est allé acheter tous les éléments pour faire la vidéo. Tu te caches, Lily. C'est tombé là en dessous de son lit. Lily Rose. Oh, non mais elle abuse. Et franchement, Lily Rose, t'abuses. T'as dit que tu participerais à l'expérience et tout pour voir ça avec les abonnés. Bon, écoutez, à mon avis, de toute façon, il est pas 3h du matin. À mon avis, elle va pas tarder à revenir. C'est juste que là, tout le monde a peur, même Peppa Pink. Il s'est mis dans sa chambre, il a dit « Ah, je sais pas Esteban si c'est une bonne idée de faire ça. » Donc de toute façon, il y a l'abonné qui m'a envoyé le message qui devrait pas tarder à m'appeler sur mon téléphone. Donc logiquement, je vais avoir plus d'informations. Il va me dire pourquoi il veut qu'on fasse ça, etc. En espérant que... Ah bah tiens, c'est lui. Allô ? Bonjour. Allô ? Allô Jason, c'est toi ? Oui, c'est moi Jason. C'est toi Jason? Bon, écoute, oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu veux qu'on fasse l'expérience là? Parce que c'est bon, j'ai tout acheté. Je suis allé au McDo, j'ai acheté les 4 Happy Meal. Il y a Peppa Pink qui est avec moi. Il est là. Bon, alors pourquoi tu veux qu'on fasse l'expérience? C'est parce que j'ai pas encore fait l'expérience. Ah, t'as pas encore fait... Toi, tu l'as pas... T'as pas encore fait l'expérience? Non, ah. Je l'ai pas faite. Ah, d'ailleurs, ta photo de profil, elle est bizarre. Hein. Regardez la photo de profil de Jason. Ça fait flipper, hein. J'espère que tu nous envoies pas dans un bourbier, là. J'espère que c'est pas un coup fourré, hein. On n'aura pas de problème en faisant ça. C'est juste une expérience un peu marrante, un peu horreur. Oh, marrante, pas horreur, c'est bon. Aucun problème. Il y a aucun problème. Ok. Mais, ah oui, hein, faut me croire. Faut te croire, ok. Bon, écoute, je vais raccrocher, là, on va faire la vidéo. On va aller chercher tout le monde et on attend 3h du matin, ok? On te rappelle tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, allez. Bon, il a l'air un peu bizarre quand même ce Jason. Hein. Sa voix. Ouais, ouais, ça. Non, mais sa voix, elle est trop bizarre. Et même, t'as vu sa photo de profil sur le téléphone. Ouais, on dirait une sorte de clown là. Ça fait peur. Hein. Bon, écoutez, on va commencer à sortir tous les éléments. Donc là, regardez, on a tout ce qui est boisson. Donc on a pris que des coca. On a aussi des petits trucs à boire là, comme ça. Quasiment. On a un Happy Meal. Donc ça, c'est bon. Deux. Attends, trois. On en a commandé 4. Montre le 7. Il est où le quatrième? Il est où? Bah écoute. Non, me dis pas que t'as déjà mangé un truc. Non, c'est pas moi. Oh, c'est peut-être Valentin, j'en étais sûr parce que Valentin il voulait manger. Dans la voiture, il arrêtait pas de dire t'es sûr qu'on. Valentin! Il est où Valentin? T'es où? Valentin, viens ici tout de suite! Ça va pas marcher. Oh non, mais j'en ai marre de faire des vidéos avec lui, à chaque fois c'est lui qui gâche tout. Mais ça va pas marcher. Ah, mais Valentin! Quoi? C'est toi qui as mangé un Happy Meal? Bah non. T'as mangé un Happy Meal? Non. T'es sûr? Non mais c'est sûr que c'est lui, regarde sa tête, c'est toi qui as mangé? Non, jamais, vous inquiétez pas. Ok, bon, c'est lui qui a mangé. Bon, écoutez, c'est pas grave, dans le truc que m'a envoyé Jason, il m'a dit qu'il fallait mettre un élément dans chaque coin de son jardin. Dans notre jardin, il y a 4 coins du coup. Donc c'est pas grave, on mettra ce sac là dans un coin avec toutes les boissons et les desserts. Et on mettra dans chaque autre coin un Happy Meal. Donc, les hamburgers. Ça fait 4 trucs. Hop, bon, on va tout remettre dans le sac. Bah allez, vas-y. Et là, les amis, on a quand même une certaine attente. On doit attendre encore 2-3 heures avant qu'il soit 3 heures du matin. On espère que ça va bien se passer. En attendant, on va essayer de la convaincre. La Lily Rose, elle s'est cachée, elle veut pas participer. Oh, on va essayer de convaincre Lily Rose de participer parce que ça rendrait vraiment le truc super cool. Bon, allez, les amis, cette fois, on se retrouve vraiment tout à l'heure à 3 heures du matin pour la vidéo. C'est parti. Nous ont tous abandonné, franchement, c'est terrible. Lily Rose veut pas participer. Il y a que Peppa Pink avec moi, même Valentin, il est reparti. Toujours pareil, ils sont fichés. Oh non, mais Valentin, il est reparti chez ses parents carrément. Il a dit, oh non, en fait, cette nuit, je dors pas ici. Vous pouvez, voilà, je vais partir. Voilà, ils ont tous eu peur. Lily Rose,
elle se cache dans la cachette gaming, enfin bref. Quelle idée de faire cette expérience. Oh, mais quelle idée de faire cette expérience. C'est un abonné qui nous a demandé de le faire. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde qu'on fasse cette expérience aussi. Ça va pour une fois. Oui, bah pour une fois, bah c'est pas la première qu'on fait. Bon, écoute, c'est Peppa Pig qui a tous les éléments. Bah vas-y, mets un élément dans chaque coin. Voilà, donc tu dois mettre un Happy Meal ici, là-bas comme ça. Un Happy Meal là, un autre là-bas. Un autre ici, et là-bas, comme on n'a pas d'Happy Meal, tu mets des boissons. Voilà, c'est un élément McDo dans chaque coin. C'est super important. Pour le centre, les amis, j'ai prévu une lumière rouge. C'était écrit, on mettait une lumière au centre de votre jardin. Donc, c'est à peu près ici. Et on devra tous les deux se mettre ici. Je vais pousser un peu tous les meubles. On doit se mettre ici et on doit réciter la formule. Bon, en attendant de redémarrer la vidéo, j'ai pas arrêté de répéter la formule. Bon, allez, dépêche-toi, là. Parce qu'à partir de 3h05 du matin, ça marche plus. Voilà, c'est bon, Esteban. On a que 5 minutes. Allez, dépêche-toi. J'ai tout mis. Là-bas, il y a le Happy Meal. Ouais. Ok. Là, il y a les boissons. Ouais, bon, allez, on y va. Parce que là, il nous reste plus que 3 minutes. Alors, c'est quoi la formule ? Alors, oui. La formule, on doit la dire en même temps, donc tu répètes après moi, ok ? Oui. McDo-us. McDo-us. 3h du Matus. 3h du Matus. Ne viens pas chez Nus. Ne viens pas chez Nus ? Oui, ne viens pas chez nous, ça veut dire ne viens pas chez Nus. C'est du lapin. Petit. Clownus. Clownus. Mais il se passe rien. Attends, il faut peut-être attendre 30 secondes. McDo-us, mais... ne viens pas chez Nus. 3h du Matus. Ne viens Clownus. Pas chez... mais il se passe rien. C'est. Ah, c'est quoi ça derrière toi? T'as vu ou pas? Dans la cuisine. Ah, regarde. Attends, c'est quoi ce truc? Bouge. C'est quoi ça? T'as vu sa tête? C'est un clown. C'est le clown de McDonald's. Mais non. C'est un clown. Oh non, qu'est-ce qu'il non, fait non, chez non. Nous et... Regardez, il s'approche. Rappelle c'est le quoi ce truc? Mais non, mais l'abonné, je vais pas le rappeler, il est 3h du matin. Attends, viens, faut qu'on aille voir. Il m'a dit que c'était pas dangereux, bah j'espère. Eh oh, qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux? Attends, toi on va en haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans quoi on s'est embarqué? Vite, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il nous poursuit, bah oui, ferme la porte. Oh là là, on aurait vraiment pas dû faire ça. Je m'en doutais. Mais ferme. Ah, la clé. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lent. On fait quoi? Je sais rien, Esteban. Bon, j'espère que la malédiction à 3h05 du matin, elle s'arrête. Attends, je vais lire le message qu'il m'avait envoyé au début. Bon, donc, dire la formule magique McDo-us, machin, ça c'est fait. La malédiction va s'abattre pendant 5 minutes dans votre maison. Pendant ces 5 minutes, veillez à rester en groupe. Donc ok, il faut qu'on reste en groupe. Et à surtout ne pas ouvrir la porte aux inconnus. C'était ça. C'est lui l'inconnu. L'inconnu, c'est un clown. C'est terrible. Ça va, j'ai fermé à clé, Esteban. Il nous reste combien de temps, là? Ça fait déjà 2 minutes. Oui, bah là, non, ça va, t'inquiète. À 3h05 du matin, normalement, c'est censé se régler. Attends, 3h04 du matin. C'est bon, il nous reste 10 secondes à tenir. Bon, à mon avis, ça va, on a largement le temps. 5, 4, 3, 2, 1. Normalement, c'est bon, il est plus là. Il est plus là, c'est bon. Heureusement que ça dure que 5 minutes. Bon, effectivement, les amis, c'est une malédiction plutôt gentille parce qu'il suffit de tenir quelques minutes. Bon, en tout cas, Lily Rose et Valentin avaient raison de ne pas le faire, ça sert strictement à rien. Et c'est vraiment inutile en tout cas. Bon, maintenant, du coup, on va manger ce qu'on a acheté. Hein. Voilà, tout simplement. On espère que ça vous a plu. Si... Qu'est-ce qu'il fait encore là? Bon les amis, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous ferait extrêmement, extrêmement plaisir. Cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran, ça nous ferait encore extrêmement plaisir. À la prochaine, nous on a quelque chose à régler. Ciao!